Naturellement, t'es une brute, t'as dit. Ouais. Ça y est, Kipon, tu fais pas long feu. Quoi ? Allô ? J'attends. Yakipon, tu fais une pitchonnette, tout le monde tombe, quoi. Une pitchonnette, c'est une petite pitchonnette, ça, non ? Voilà. Une pitchonnette. Une pitchonnette. Arrête. Mais non, je pas, c'était juste rigolo sur le coup. Alors, il y a des objets qui déménagent, là, par contre. Hein. On a une espèce de géode chez les vaches. Enfin... Comment ça ? Je sais pas ce qui se passe. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte, c'est pas rangé. Comment ça, il y a une géote chez les vaches ? La maison de Jake, elle se fait vider de tous les objets. Ils sont cachés partout, quoi. Nino ? Oui ? Rends-moi mes objets ! Quel objet ? Comment perdre du temps ? Sérieusement ? C'est ça. Tu vois, parce qu'elle te dit que quel objet, quoi. Non, mais c'est hallucinant, quoi. Il y en a plein pour attraper l'autre. Oh là là. Oui, t'en as là, t'en as sûrement chez les poules, t'as un ours devant chez moi. Bon, là encore, ça va. J'ai envie de dire. L'ours devant chez moi. Ah, mais il se passe des trucs. T'as une poule. T'as une statue de poule chez les poules. Au moins, c'est raccord, hein, mais bon. Pourquoi je peux pas. Quoi? Il y a des objets, j'arrive. T'as pété le truc de fromage! Voilà, avec vos conneries, moi je vais m'énerver! On n'a pas envie que je m'énerve. C'est joli ça. Mac. De quoi? Qu'est-ce qui est joli? Ça. D'accord. Oh, le sorcier m'a offert quelque chose. Du jade. Ok. Mais il m'a pas filé Serge. Oui, elle est facile alors. Qui vous êtes pour me juger de toute façon ? Personne. Voilà. Chez. Le chat, il a soif. Je vais lui en donner de l'eau avant qu'elle gèle. Une omoplate préhistorique. Ouais, c'est moi. Tu es un squelette de paresseux, gauche. Attention, pas droit, gauche. Et 5 totems de téléportation ferme. C'est incroyable, c'est la folie. J'avoue. C'est Noël avant l'heure. Hein. C'était où ça déjà? C'était là? Qu'est-ce que je fais moi? On va prendre des choux-fleurs, t'es. On va faire du chou-fleur mariné. S'il était là. Merde. Pardon. Ça non. Ça reste là. Tu vois, entre bilveuser à la limite. Je me suis trompé, voilà. Sapristi. J'ai dit pardon. Ça compte? C'est comme les enfants, mais j'ai dit pardon. Désolé. C'est pas de ma faute. C'est lui qui a commencé. C'est criant de vérité. Genre, c'est la vérité fait... Ah, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce bruit? T'as fait grincer une porte ou... Punaise, c'était violent. Ah, tu me déconcentres. C'est rire. Mac. Bon, allons... Non, pas ça, non. Ah ouais, donc en fait, on s'ennuie tellement qu'on s'assoit sur les chaises. Et vous faites c'est des comme les deux, comme les vieux l'été. Je me sens pas visé. Ah, pas les petites pétanques là. Je me sens pas visé. Vous êtes sous ? Non, il est drôle. J'aime bien la musique de l'hiver du jeu.
Bon, déjà, la musique du jeu de base, elle est bien, mais celle de l'hiver, elle est folle. Faites-moi ça, ça. Aïe, aïe, aïe. Bon, toujours pas de slime prismatic. Mais tu sais où les trouver, au moins. Rien du tout, ben... Mais tu sais où ça se trouve, voir mais... sur Google, mais... Sur Google. Google, il n'y a rien du tout de Google. Ça me fait rire. Pour vous expliquer rapidement, ma grand-mère vit aux États-Unis et ma grand-mère qui vit aux États-Unis, elle appelle Google Goglo. Goglo. Elle dit Goglo. Je comprends pas quoi. Elle vit là-bas, elle a l'accent et tout. Non, c'est Goglo. Goglo. J'avoue, c'est incroyable. Mais oui, c'est dingue. Ah, punaise. Goglo quoi. Ah, il y a bien qui disent Roblochon, non, de Roblochon. Oh. Certes. Pour ne pas les citer. Aïe aïe aïe. Fouf. Pas passer tous les jours, bravo. Non. Ça va? Ouais. Bonjour. D'accord. Mais pourquoi j'ai deux cœurs qui sont grisés pour un personnage? Je comprends pas. Grisé? Ça pas débloqué. Oui, mais je sais pas comment. On va faire fait une interaction spéciale. Mais je sais pas quoi. Faut demander en mariage. Mais je veux faire ça, mais je sais pas comment on fait. Il te faut pas une alliance sur toi? Je sais pas. On a bien le patron de bague de mariage qui existe, donc ça me surprendrait moyennement. Ouais, mais faut l'acheter, non? On l'avait pas déjà? Oui. Non, je crois qu'il est à acheter. Ça s'achète le plan. La roulotte, il y en a un. On va voir s'il y a encore aujourd'hui. Mais... Oui, mais où est la roulotte? Sous la maison. Oui, la roulotte. Hein. Sous la maison? Oui, oui, je. Non, mais. Oui, pardon. Tu prends ta pioche, tu creuses sur la maison. Non, mais je comprends. Oui. Ouais, on va dire oui parce que hein, ça va être long sinon. Oui. Oui, monsieur. Aïe, messieurs. J'offre du vin, moi. Du bon vin. De mon tonneau. Ah. Tout va bien. Alors maintenant, mesdames et messieurs... Il nous manque quoi par rapport à... Ah, Jake va vous chanter une chanson. Un slam prismatique. Je l'ai dit en premier. C'est pour fêter les 100 euros, faut chanter une chanson. Ah oui, c'est vrai ça. Allez, c'est parti. Je pense que Abba avait une chanson appropriée à ce sujet. Allez Jake. Il me prend au dépourvu là. Je sais, c'est fait exprès. C'est le but, on veut entendre tes talents d'improvisation. Une souris verte qui courait dans l'herbe. J'ai mal. Hein. C'est plus que c'était la chanson. Ah là là, j'ai très mal. Hein. Ah, de mon temps, on connaissait des vraies chansons. Hein. Oh Toulouse, bon. Oh mon pays. Mais vu que je la massacre à chaque fois, je la chante pas, je préfère l'écouter. Ah, c'est vrai que tu m'avais dit ça en plus. Ouais. À l'époque. L'époque, Nougaro, c'est pas si vieux quand même. Plus que. Plus que Vianney, quoi. J'aime bien Vianney. Je sais pas pourquoi. J'aime bien. Je préfère Après, Vianney à Christophe Maé. Ça a l'air d'être un homme sympathique, ça je lui enlève pas. Mais. Bah au moins quand il fait des maraudes, il s'en vante pas quoi, contrairement à d'autres stars ou politiques. Non mais je suis d'accord. Ah mais je vais pas critiquer le personnage, hein, attention. Hein. Je vais parler simplement de l'ancienneté de la personne. Hein.
Oula, mais il est jeune. Vianney, il est jeune. Ah bah effectivement. Oui. Vianney, il a 26, 27, quelque chose comme ça. Salut El Ross. Ok Google. Ouais, Ross. Quel âge a Vianney? C'est aussi un peu... c'est un bambin. Twitch, c'est un peu le bordel. En il a 29 ans, Vianney, c'est dans mes âges. C'est complètement bon, c'est mon âge, voilà. Il est jeune. À la fleur de l'axe. Attends, il faut que je compte. Non, c'est pas l'âge de Louis encore. C'est bon. Twitch est aussi en PLS ici, c'est-à-dire El Ross, comment ça? Le site Twitch est en PLS un peu partout en ce moment. Oh, encore? Ouais, ça fait une semaine, ouais, là, ils abusent. Ils pas dans le chat et tout. Une fois sur deux, ça marche pas. Fonctionne pas. C'est assez casse-couille, ça fait deux semaines que c'est comme ça, ils arrivent pas à corriger le truc. Enfin, ils disent c'est corrigé, mais en fait, pas du tout. J'espère que... Si les gens sont déjà sur la chaîne, ils peuvent rejoindre la chaîne, mais ils peuvent pas écrire dans le chat. Par contre, si les gens ont pas rejoint avant, ils peuvent pas rejoindre la chaîne jusqu'à ce que ça soit réparé. Bah, ouais, attends. Elros, c'est littéralement ce chiffre-là ou tu exagères? Juste pour savoir. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a un streamer espagnol qui fait un live à 2 millions de spectateurs, ça lag de partout. Et apparemment il c'est était caritatif probablement. Apparemment il était chez JDG mais ça buguait aussi. C'est ce qui est dit. Ah ouais, littéralement 2 millions de spec, putain, c'est pardon purée. Ce serait un record pour Twitch. Que un stream soit autant. Je crois que le record était à 700 000, il me semble. 2 millions c'est beaucoup. Pas mal, c'est pas mal. Il y a de l'or. Pas dégueu. Prend tous les viewers, c'est terrible. J'avoue. Je vais mettre la clé sous la porte. Hein. Oh, je vais mettre la caméra sous le bureau. Hein. Alors, je veux pas savoir ce qu'il y a sous ton bureau. Hein. Et tout. Comment va Nino? Elle est en train de bouger tous les objets de la ferme. Votre matériel de pêche est usé. Comment? Ouais. Ah, il a tout cassé. Ben j'espère que ma canne à pêche va pas me dire non au bout d'un moment, quoi. Ouais, j'avoue. T'imagines? Je vais pleurer parce qu'elle m'a coûté cher, celle-là. Ben on a la même, hein. Ah, ça serait... Ouais, ça serait cruel, hein. Ah, ça serait plus que cruel. C'est là, je pars dessus dans la mine, hein, rien à faire. Nino, t'es là? Tu vas bien? Allô? Nino? Votre correspondant est en ligne, on lui indique comment votre appel par un signal sonore. J'imagine le signal sonore chez la personne. T'imagines. Moi ça me ferait rire. Merde. On dit flûte. On flûte un bec. Voilà, le collier, en plus. Oh non, mon collier. Heureux. Oh. Heureux. Ah bah d'accord. Jake qui te cherchait partout. Bah on s'inquiétait hein. Ah oui. C'est mignon. Désolé. Et on nous. Non, c'est juste qu'on vu que il y a des moments où on t'entend pas, je me demande si t'es toujours là, si tu vas bien, si enfin au premier degré quoi, est-ce que tu vas bien? Je suis là. Et oui, Elros, on termine l'année tranquillou. Parce que petit à petit, l'année se finit. Ça veut rien dire. Et il est l'heure d'aller se coucher là-haut. Ce sera la citation 2021 de Yakipon. T'es déjà une citation en janvier, ça fait fort. Oh, t'inquiète pas, tu vas nous en sortir une par mois. Eh oh, doucement quand même. Je crois que t'en avais sorti une sur Cadence, mais je sais plus quoi. Mais ça m'avait fait rire. T'es vraiment sûr? Ah oui, oui. Ah, oui. Une citation. Ouais. Non, parce que j'allais dire sinon, je maîtrise mon carré, quoi. Ouais, bon, à part ça. Il faut maîtriser le carré. Eh, tu vois, les vaches, les canards, tout ça. Hein? Qui sait qui bosse comme un fou? Eh ben voilà. Eh ben voilà. Alors, bah, t'es rapporte, hein, elle demande du temps, hein. Pareil, hein, les champignons qu'on a dans la grotte, il faudrait peut-être en revendre. Non. Ben, j'en revends parfois.
Gardez les. Ah, ok, j'arrête. En fait, c'est pour ça que je vends très peu de poissons et de champignons. C'est qu'à un moment donné, il va falloir se mettre à la cuisine. Et tout ça, tout ce qui est poissons et champignons, ça va être nos ingrédients principaux. Ah. Au-delà de ce que je vois. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit et une merveilleuse nuit.